Merci à vous. Les concerts d'Inter, soirée triple affiche en direct du Studio 104. En direct du Studio 104. Présenté par Laurent Goumar. Alors après la magie, le bruit du tambour, celui que fait battre Bertrand Belin dans son nouvel album Tambour Vision. Eh bien ce titre en fait, c'est vraiment du Bertrand Belin dans le texte. Vous prenez deux mots, vous prenez tambour, vous prenez vision, et puis dans la rencontre des deux, hop, vous créez une image. Pareil pour un autre titre de l'album, c'est Que dalle, tout. Ça fonctionne comme des électrochocs littéraires, une langue explosive. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, il y a un vrai programme politique chez Bertrand Belin, qui vient, je le cite, dans une chanson, d'une longue livrée d'ivrognes, troubles faits, gâcheurs de noces, épouvantail d'abribus, maître de chiens desquels j'ai hérité de tout et de rien. Et quand on hérite de rien et de tout, qu'on vient d'un milieu modeste, prendre la parole, c'est renverser l'ordre des choses. Quand on prend la parole, dans ce cas-là, on la prend à quelqu'un. Et on la prend à ceux et celles qui ont toujours parlé à votre place, qui ont les codes de la littérature pour eux. Ils font donc renverser la situation. Programmer un grand renversement populaire. Ça existe, ça s'appelle le carnaval. Ce soir, Bertrand Belin en est le roi sur France Inter. Bonsoir, camarades. Je marche plus.
Merci beaucoup. Concert triple affiche en direct au studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique avec la guitare au premier plan alors que les synthés avaient pris beaucoup de place dans ce dernier album. Il y avait un homme ce matin comme hier d'ailleurs. Il y avait un homme ce matin sur le cul. Il y avait
ce matin, ainsi qu'une femme sur le cul. Sur le cul, Bertrand Belin pose la guitare. Julien King Gomez, s'il vous plaît. L'ensemble des musiciens sont parmi les meilleurs dans la Voie lactée.
Jean-Baptiste Julien, s'il vous plaît. De prévoir la paix de mes nerfs, prière, parole de primate, parole de black, prière de prévoir la paix de mes nerfs, prière. À hauteur d'atome, à hauteur de fantôme, à longueur d'angélus, à longueur de phallus, je la cherche par terre, je la cherche au fond des rivières, comme on chercherait de l'or. La paix de mes morts. Alléluia. De termites, de paraboles en paraboles, de rite en rite, de rumeur en rumeur, je la cherche au ciel, je la cherche au fond des rivières, comme on chercherait de l'or, la paix de mes morts. Merci beaucoup de nous recevoir ici au studio 104. Merci à François Père, bien sûr. Merci beaucoup de votre invitation. Seras-tu jamais levé de tes doutes? Seras-tu jamais levé de tes doutes? En sueur à la banque,
l'au-delà aux trousses. Tout nu dans les calanques, l'au-delà aux trousses. Sauras-tu jamais lever de tes doutes? Sauras-tu jamais lever de tes doutes? Faire l'autruche, ça tu connais. Le pan, le pan, tu connais. Les soirs de pluie, une heure de clavecin, le tour du quartier, quand tu te trouves perdu, perdu sur ta main, perdu dans tes cheveux, perdu. Perdu au soleil, perdu dans une pièce, perdu amour grandiose, perdu petite chose. Sauras-tu jamais lever de tes doutes? Sauras-tu jamais lever de tes doutes? Perdu sur ta main, perdu dans tes cheveux, perdu amour grandiose, perdu petite chose, perdu. Perdu dans une pièce, perdu amour grandiose, perdu petite chose. Costume noir, chemise blanche, il reprend la guitare. Alors c'est intéressant parce que quand il n'a pas la guitare, il fait des petites danses un peu burlesques, il chaloupe sur scène, mais avec la guitare, bien entendu, le jeu est beaucoup moins possible. Alors, il vient de la reposer, comme s'il avait entendu ce que je viens de dire, et c'est reparti. Que dalle, tout, sur France Inter, en direct. Thank you.
cacheur de noces. Épouvantail d'abribus, maître de chien, duquel j'ai hérité de tout et de rien. Je viens d'une longue lignée d'ivrognes, rongeurs de faim. De châteaux renversés, chers à des dalles, desquels j'ai hérité de tout que dalle. Thibaut Frisoni, s'il vous plaît, à la basse et au clavier. Thibaut Frisoni, avec lequel nous avons enregistré, composé et réalisé cet album Tambourvision. Thibaut Frisoni. À la batterie, s'il vous plaît, Sylvain Joisson. De la cité,
allons bon. Cachant ta main raison que tu t'en as passé, je chéris ton cœur adoré. La nuit je pars seul. Je te parle tout seul pour te dire des choses nouvelles. Chéri ton cœur adoré. Vaste chantier de plumes, de planches, d'acier, suspendu. Songeant au sommeil mathématique des grues, chéris ton cœur adoré. La nuit je parle. Pour te dire des choses nouvelles, je chéris ton cœur. Concert triple affiche ce soir sur France Inter. Bertrand Belin avec un titre de l'album Persona, chose nouvelle, avant de retrouver merci le beaucoup. Titre, le nouvel album Tambour Vision. C'est la première fois que nous chantons la plupart de ces chansons en public, n'est-ce pas? C'est un peu notre rentrée des classes, si je peux dire. Merci, cher monsieur. Du moins, je déduis, malgré la pénombre, grâce à mon oreille de musicien, que vous étiez peut-être du genre masculin. Mais après tout, je n'en sais rien. Vous attendez une suite? Je crains, hélas, que tout est dit. La comédie ou le drame peut à nouveau hisser pavillon. Carnaval, la ville est remplie de silhouettes, de matinales, de diagonales. Au-dedans de moi, le souffle épique de la guerre de Troie. Je connais cette musique, mais je ne l'aime pas. La comédie ou le drame peut à nouveau hisser pavillon. Mais bête, ne tire plus d'attelage d'amour vers les horizons. Et je prie le cours des choses là, légères,
que me vaut d'être à présent le cul par terre. La comédie ou le drame peut à nouveau hisser pavillon. Me suis-je endormi dans le creux d'une flaque ou dans le cœur de la nation? À ce compte, pourquoi ne pas être né en chose? À ce compte, alors j'aurais connu la vie en rose. Aucune messe, aucun nom, aucune étoile. Aucune messe, aucun nom, aucune étoile. Merci beaucoup. Jean-Baptiste Julien. Julien King Omé. Sylvain Joisson. Thibaut Frison. Et Bertrand Belin. Ce soir au studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique, en direct et en live pour ce concert triple affiche. Bertrand, vous venez me rejoindre. Je suis, si jamais je suis à cour ou à jardin, je fais Jésus-Christ, je suis à jardin. Ça y est. Alors ce soir, donc, c'était une première mondiale. En tout cas, dans la main de la Vierge, oui. Dans quoi? Vous connaissez pas l'amas de la Vierge? Ça, c'est dingue, les gens ne savent pas dans quoi ils vivent. Alors, allez-y. L'amas de la Vierge, c'est l'amas de galaxie qui est dans laquelle nous comptons parmi les galaxies. Ça s'appelle l'amas de la Vierge. Après, quand on sort de là, on ne sait plus trop ce qui se passe. Donc, dans ce mais cadre... si on vous demande votre adresse, ouais. L'amas de la Vierge. Je dirais ça. Vous pouvez dire le numéro de la rue d'abord, mais à la fin de l'adresse, c'est amas de la Vierge. Et donc, dans ce cadre-là, c'était une première mondiale. Oui, absolument. Alors comment ça sonne par rapport à l'album? Parce que c'est ça l'enjeu aussi, le passage de la scène à l'album. Ah, c'est pas trop à moi de le dire là, parce que je n'étais pas dans le public. Vous avez bien travaillé les choses. Ouais, c'était bien. Oh, merci. Ben voilà. Ben merci, c'est gentil.
On ne sait pas parce que c'est notre premier concert, donc on est bien sûr, c'est pas la peine de mentir à tous les auditeurs et les auditrices et à vous ici présents. C'est le premier concert, il est fait de passion, de d'impatience et d'une certaine fébrilité, parce que il y a plein de choses à manipuler, les instruments sont parfois compliqués, Là, je me sens bien. J'étais content de chanter. Ça faisait longtemps. Et de jouer de la guitare? Un petit peu. Pas mal. Plus qu'un petit peu. Je vous l'ai vu poser, reposer, reprendre, reposer. Oui, parce que je me trompais de morceau à chaque fois. Hein? Je me trompais de morceau à chaque fois. Ah, c'est pour ça. Parce que je vous ai vu pour un la prendre. J'étais en cabine en train de commenter. Ah non, il faut pouvoir danser un petit peu. Non, fait. Mais c'est des petits effets comme ça pour faire croire au public que je vais prendre la guitare. Il y a une excitation qui monte. Oui. C'est vrai. C'est comme Elvis, quoi. Son comeback 68, quand il n'avait pas le droit de se lever, vous connaissez ça? Non. Il jouait dans un ring de boxe et il avait le droit de faire des concerts, mais il n'avait pas le droit de se lever parce que l'Amérique puritaine d'alors trouvait que c'était quand même osé. Il avait déjà fait pas mal de dégâts. Donc il était assis sur sa chaise, comme ça, avec ses musiciens. Il jouait et puis de temps en temps, il faisait... Il y avait une clameur insensée. Bon, c'est ça, mais si vous voulez, dans une version française... On essaie de voir ce que ça donne si vous vous levez, par exemple, une clameur dans le studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique. Un petit balancement de bassin. Moi, ce que je me demande vraiment, mon interrogation surtout, c'est pourquoi est-ce que je suis si sinistre quand je chante? Mais vous n'êtes pas alors qu'en sinistre. Fait, je suis quelqu'un d'assez drôle, en fait. Manifestement. En tout cas, un peu bout en train, quoi. Un peu bout en train. Un peu particulièrement, peut-être trop ce soir. C'est l'excitation. Merci beaucoup. Merci à vous. La tournée. C'est pour l'automne, avec surtout une salle Playel le 9 décembre prochain. Oui, tout est marqué. Vous voulez lire mon texte? Non, pas du tout. Non, je regardais votre écriture. On va accueillir tout de suite nos Vameurs Ultra. Merci à Au vous. Au revoir. Merci Bertrand Belin. Le concert d'Inter, soirée triple affiche en direct du studio 104. En direct du studio 104. Présenté par Laurent Goumard.